Ayant lu ces feuillets à mon tour, je regardais interdit le professeur et après un moment je lui demandais « Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tout cela signifie » Est-elle, ou plutôt, était-elle folle? Ou alors, en présence de quelque horrible danger, nous trouvons-nous? Van Helsing me reprit les papiers. N'y pensez plus pour le moment, fit-il. Oubliez cela. Le temps viendra où vous saurez tout, où vous comprendrez tout. Mais pas maintenant, plus tard. Pourquoi êtes-vous remonté? Vous aviez quelque chose à me dire? Ceci m'aida à revenir complètement à moi. Oui, à propos du certificat de décès. Si nous ne remplissons pas toutes les formalités requises, il y aura sans doute une enquête et nous devrons en outre produire ces papiers. J'espère toutefois qu'une enquête ne sera pas nécessaire car sans aucun doute cela tuerait la pauvre Lucie, si rien d'autre ne la tue avant. Nous savons tous, vous et moi, et le médecin de Miss Westenra, de quoi souffrait celle-ci et nous pouvons rédiger le certificat en ce sens. Faisons-le tout de suite. Je le porterai moi-même à l'officier de l'état civil, puis j'irai trouver l'entrepreneur des pompes funèbres. Parfait, mon ami John, vous pensez à tout. En vérité, si Miss Lucie est poursuivie par des ennemis implacables, au moins est-elle assez heureuse pour avoir des amis qui l'aiment vraiment. Et il y en a un, et deux, et trois qui se laissent ouvrir les veines pour lui donner leur sang, et je ne parle pas du vieil homme que je suis. Oh oui, je vous reconnais bien là, mon ami John, et je vous en aimerais d'autant plus. Maintenant, descendons. Dans le corridor, nous rencontrâmes Kinsey Morris, qui s'apprêtait à envoyer un télégramme à Arthur, lui annonçant la mort de Miss Westenra, et lui disant que Lucie, après une grave rechute, se remettait peu à peu. Enfin, que Van Helsing et moi étions à son chevet. Quand je lui ai dit pourquoi je quittais quelques moments la maison, il ne me retint pas, mais me demanda, alors que je m'éloignais déjà, « Quand vous reviendrez, Jack, pourrais-je vous dire deux mots en particulier ?» Je lui répondis par un signe de tête affirmatif. L'officier de l'état civil ne fit aucune difficulté au sujet de quoi que ce soit, et l'entrepreneur des pompes funèbres me dit qu'il viendrait dans la soirée, afin de prendre les mesures pour le cercueil et convenir avec nous de tout ce qui concernerait les funérailles. À mon retour, Kinsey m'attendait. Je lui promis un entretien dès que j'aurais revu Lucie et je montai dans sa chambre. Elle dormait encore et le professeur semblait être resté tout ce temps assis près du lit. En me voyant, il porta un doigt à ses lèvres et j'en conclus qu'il croyait qu'elle allait bientôt s'éveiller, mais qu'il voulait que ce réveil fût naturel et non provoqué par quelque bruit que ce fût. J'allai donc rejoindre Kinsey et je le fis entrer dans un petit salon où les stores n'étaient pas baissés, ce qui rendait cette pièce un peu plus gaie que les autres, plutôt un peu moins lugubre. Dès que nous fûmes seuls, il me dit: Jack Seward, je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais enfin, la situation est sérieuse, exceptionnelle. Vous savez que j'aimais cette fille et que je l'avais demandée en mariage. Bien que tout cela soit de l'histoire ancienne, je lui suis encore fort attachée et j'éprouve beaucoup d'inquiétude à son sujet. Réellement, qu'est-ce qu'elle a? De quoi souffre-t-elle? Le Hollandais, un vieil homme remarquable, je l'ai vu tout de suite, vous disait quand vous êtes entrés tous les deux dans la salle à manger où je me trouvais qu'une autre transfusion de sang était nécessaire. Mais il a ajouté que vous, l'un comme l'autre, vous étiez déjà épuisés. Que dois-je comprendre? Van Helsing et vous êtes déjà soumis à l'épreuve à laquelle je viens de me soumettre? Exactement. Et je suppose qu'Arthur a fait de même. Quand je l'ai vu il y a 4 jours, il paraissait bien mal en point. Je n'ai jamais vu personne changer ainsi et si rapidement depuis que, dans la Pampa, ma jument favorite a dépéri en une nuit, la nuit même où l'une de ces grosses chauves-souris que l'on nomme vampire était venue lui ouvrir une veine de la gorge et avait bu, pour ainsi dire, tout son sang. Elle n'avait même plus la force de se relever et j'ai dû me résoudre à lui tirer une balle dans la tête. Jack, dites-moi, pour autant que vous ne soyez pas tenu au secret professionnel, Arthur a donné son sang le premier, n'est-ce pas? Tandis qu'il parlait, le pauvre garçon parvenait de moins en moins à dissimuler l'angoisse que lui inspirait l'état de santé de cette femme qu'il aimait encore. Angoisse qu'aggravait son ignorance complète du mal mystérieux et terrible qui ne laissait aucun répit à la malheureuse. Son chagrin était immense et visiblement il dut faire appel à toute sa volonté. Et cet homme n'en manquait certes pas pour ne pas fondre en larmes. Je réfléchis un instant avant de lui répondre, car j'hésitais à lui dire la vérité sans savoir si Van Helsing m'y eût autorisé. Mais il en savait déjà tant, et en devinait davantage encore, que je ne pouvais pas ne pas répondre à sa question. « Oui, fis-je, Arthur le premier. Quand cela s'est-il passé ?»« Il y a 10 jours. » 10 jours ? Mais alors cette pauvre petite créature que nous aimons tous a reçu dans les veines, en l'espace de 10 jours, le sang de 4 hommes. C'est beaucoup pour un corps si frêle. Oui. Puis venant plus près de moi, tout bas, mais sur un ton assez brusque, il me demanda « Et pourquoi, malgré cela, est-elle exsangue ?»« Ça, c'est le mystère, » fis-je en hochant la tête. « Nous ne savons que penser, Van Helsing et moi. Il y a eu, il est vrai, quelques petits incidents qui ont contrarié le traitement prescrit par le professeur, mais cela n'arrivera plus. »
Nous sommes maintenant décidés à rester ici jusqu'à ce que tout aille bien. Ou jusqu'à ce que tout soit fini. Kinsey me tendit la main. Et moi je vous aiderai, dit-il. Vous et le Hollandais, vous n'aurez qu'à me dire ce que je dois faire, et je le ferai. Quand Lucie s'éveilla, assez tard dans l'après-midi, son premier geste fut de passer la main sous sa chemise de nuit et, à ma grande surprise, de prendre les feuillets que Van Helsing m'avait fait lire. Le professeur les avait soigneusement replacés là où d'où ils étaient tombés, de peur qu'en s'éveillant, si elle ne les trouvait plus, la jeune fille ne s'alarmât. Alors elle regarda un moment Van Helsing, puis me regarda, et parut contente. Elle parcourut la chambre des yeux, mais quand elle s'aperçut que ce n'était pas la sienne, elle poussa un cri, et de ses mains amaigries se couvrit le visage, presque aussi blanc que les draps. La pauvre enfant revenait à la réalité, qui, pour elle, à ce moment, se résumait à ceci. Elle avait perdu sa mère. Nous essayâmes de la consoler. Si nous parvînmes à soulager momentanément sa douleur, elle n'en demeurait pas moins fort abattue, et elle se remit presque aussitôt à pleurer, et pleura longtemps. Quand nous lui dîmes que l'un de nous, ou peut-être tous les deux ensemble, nous resterions désormais auprès d'elle de nouveau, elle sembla un peu rassurée. Vers le soir, elle s'assoupit, chose assez surprenante, alors qu'elle dormait encore, elle reprit les feuillets glissés sous sa chemise de nuit et les déchira en deux. Van Helsing s'approcha d'elle, les lui ôta des mains les morceaux de papier, mais comme si elle les tenait toujours, elle continua le geste de les déchirer. Finalement, levant les mains, elle les ouvrit, comme si elle lançait loin d'elle tous les petits morceaux de papier. Van Helsing avait l'air étonné et semblait réfléchir. Cependant, il ne dit rien. 19 septembre. Toute la nuit, son sommeil fut agité. À plusieurs reprises, elle manifesta sa crainte de s'endormir. Puis quand enfin elle s'était laissée aller au sommeil, c'était dans un état de plus grande faiblesse encore qu'elle s'éveillait. Van Helsing et moi la veillâmes tour à tour. Pas un instant, nous ne la laissâmes seule. Kinsey Morris ne nous mit point au courant de ses intentions, mais toute la nuit, il se promena autour de la maison. Au matin, Lucie, nous en rendîmes compte, n'avait littéralement plus aucune force. C'est à peine si elle pouvait encore tourner la tête, et le peu de nourriture qu'elle prenait ne lui profitait pas. Parfois, quand elle dormait quelques moments, Van Helsing et moi étions frappés par le changement qui s'opérait chez elle. Endormie, elle nous paraissait plus forte malgré son visage décharné et sa respiration était plus lente, plus régulière. Sa bouche ouverte laissait voir des gencives pâles, fortement retirées, des dents, lesquelles paraissaient ainsi beaucoup plus longues et plus pointues. Lorsqu'elle était éveillée, la douceur de ses yeux lui rendait évidemment l'expression que nous lui avions toujours connue, bien qu'elle eût les traits d'une mourante. Dans l'après-midi, elle a demandé à voir Arthur, à qui immédiatement nous avons télégraphié de venir. Kinsey est allé le chercher à la gare. Ils sont arrivés ici à 6 heures environ. Le soleil couchant était encore chaud et la lumière rouge qui baignait la chambre colorait les joues de la malade. Quand il l'a vue, Arthur sut mal cacher son émotion et aucun de nous n'eut le courage de parler. Au cours des dernières heures, les moments pendant lesquels Lucie avait dormi étaient tout de même devenus de plus en plus fréquents, ou bien des états comateux les avaient remplacés de sorte que nos conversations, ou plutôt nos ébauches de conversation avec elle, avaient toutes été fort brèves. La présence d'Arthur, toutefois, agit comme un stimulant. La jeune fille sembla recouvrir un peu de ses forces et elle parla à son fiancé avec plus d'animation que nous ne lui en avions vu depuis notre arrivée chez elle. Lui-même se ressaisit et lui répondit avec tout l'entrain dont il était capable. Il est maintenant près d'une heure. Van Helsing et Arthur sont auprès d'elle. Dans un quart d'heure, j'irai les remplacer, et en attendant, j'enregistre ceci sur le phonographe de Lucie. Tous deux, alors, se reposeront et essayeront de dormir jusqu'à 6 heures du matin. J'ai bien peur que demain, aucun d'entre nous n'ait plus besoin de veiller. Cette fois, la pauvre enfant ne s'en remettra pas. Que Dieu nous vienne en aide. Lettre de Mina Harker à Lucie Westenra, non ouverte par la destinataire, 17 septembre. Ma très chère Lucie, il me semble qu'il y a un siècle que je suis sans nouvelles de toi, ou plutôt un siècle que je ne t'ai pas écrit. Tu me pardonneras, j'en suis certaine, quand tu auras lu tout ce que j'ai à te raconter. Tout d'abord, j'ai ramené ici mon mari. Quand nous sommes descendus du train à Exeter, une voiture nous attendait, dans laquelle, bien qu'il souffrît d'une attaque de goutte, se trouvait M. Hawkins. Il nous a emmenés chez lui, où il nous avait préparé de belles chambres confortables, nous dînâmes tous les trois, et après le repas, M. Hawkins nous dit « Mes amis, je bois à votre santé et à votre bonheur dans la vie. Puissiez-vous connaître beaucoup de joie profonde l'un et l'autre, je vous ai connus enfants, et c'est avec fierté et tendresse que je vous ai vu grandir. Aujourd'hui, je veux que vous soyez ici chez vous. Je n'ai pas d'enfants, je suis seule au monde, et par testament, je vous ai laissé tous mes biens. » Je ne puis retenir mes larmes, ma chère Lucie. Tu le comprendras, tandis que Jonathan et M. Hawkins se serraient longuement les mains. Cette soirée fut si, si heureuse.
Nous sommes donc allés dans cette belle vieille demeure, et de ma chambre à coucher comme du salon, je vois les grands ormes de l'enceinte de la cathédrale, leurs grosses branches noires se détachant sur la pierre jaune de l'édifice, et du soir au matin, j'entends les corneilles qui ne cessent de passer et de repasser au-dessus de nous, en croissant, en bavassant comme elles savent bavasser, et aussi les femmes et les hommes. Dois-je te le dire? Je suis fort occupée à arranger la maison, à monter mon ménage. Quant à Jonathan et M. Hawkins, ils travaillent toute la journée, car maintenant que Jonathan est son associé, M. Hawkins tient à le mettre au courant des affaires de chacun de ses clients. Comment va ta chère maman? Je voudrais aller passer un jour ou deux chez toi, mais il m'est difficile de quitter la maison ayant tant à faire. D'autre part, si Jonathan va bien, il n'est pas encore complètement guéri. Il se remplume un peu, mais il reste très faible. Encore maintenant, il sursaute parfois dans son sommeil et s'éveille tout tremblant. Il me faut alors beaucoup de patience pour réussir à le calmer. Dieu merci, ces crises deviennent de moins en moins fréquentes et j'ose espérer qu'elles disparaîtront tout à fait. Et maintenant que je t'ai dit tout ce qui me concernait, laisse-moi te demander de tes nouvelles. Quand te maries-tu? Et où? Qui célébrera la cérémonie? Quelle robe auras-tu? Inviteras-tu beaucoup d'amis ou bien ferez-vous cela dans l'intimité? Réponds-moi à toutes ces questions, ma chérie, car tu sais combien je pense à toi, combien je m'intéresse à tout ce qui te tient au cœur. Jonathan me demande de te présenter ses hommages respectueux, mais je juge cela insuffisant de la part du jeune associé de la firme importante Hawkins et Harker. Aussi, comme tu m'aimes et qu'il m'aime, et que moi je t'aime de tout mon cœur, je crois préférable de t'envoyer ses amitiés. Au revoir, ma très chère Lucie, avec mille vœux de bonheur, ta Mina. Rapport de Patrick Hensey, MD, à John Seward, MD. 20 septembre. Mon cher confrère, ainsi que vous avez bien voulu me le demander, je vous fais part de l'état des malades que j'ai vus. En ce qui concerne Renfield, il y a beaucoup à dire. Il y a eu une nouvelle crise qui, alors que nous aurions pu craindre le pire, s'est terminée sans conséquences fâcheuses. Il faut savoir que cet après-midi, un camion, conduit par deux hommes, est venu à la maison abandonnée, dont le parc joint le nôtre. Cette maison, vers laquelle, vous vous en souvenez, notre malade s'est enfui à deux reprises déjà. Ces deux hommes se sont arrêtés devant notre grille pour demander leur chemin au portier, car, ont-ils dit, ils sont étrangers dans le pays. J'étais à ce moment-là à la fenêtre du bureau, fumant une cigarette, après le déjeuner, et moi-même j'ai donc vu l'un des deux hommes qui se dirigeait vers la loge. Comme il passait sous la fenêtre de Renfield, celui-ci, de l'intérieur de sa chambre, s'est mis à l'injurier. L'autre, qui, ma foi, avait l'air fort convenable, s'est contenté de lui crier qu'il n'était qu'un grossier personnage et qu'il n'avait qu'à la fermer. Sur quoi Renfield cria que non seulement ce type l'avait volé, mais qu'il avait voulu le tuer. Et il ajouta que, la prochaine fois, il saurait comment l'empêcher de lui nuire. Dût-il être pendu. J'ouvris ma fenêtre et fis comprendre au camionneur qu'il ne fallait attacher aucune importance à ses propos, de sorte que, après avoir parcouru des yeux la façade de la maison et compris enfin où il se trouvait, il déclara tout simplement « Dieu vous bénisse, monsieur. Peu importe en effet ce qu'on me dit chez les fous. Mais je vous plains, vous et le patron, de devoir vivre avec des bêtes furieuses. » Puis, assez poliment, il m'a demandé comment on arrivait à la grille de la maison abandonnée. Je lui indiquai le chemin et il s'en alla. Renfield l'accablant toujours d'injures et de menaces. Alors je descendis chez notre malade, me demandant si je décèlerais quelque cause à sa colère. Je fus étonnée de le trouver très calme, de bonne humeur. J'essayai de le faire parler de ce qui venait de se passer, mais il me demanda ce que je voulais dire, comme si, vraiment, il ne se souvenait plus de rien. Ce n'était malheureusement qu'un nouvel exemple de son astuce, car moins d'une demi-heure plus tard, il fit encore parler de lui. Cette fois, il avait sauté par la fenêtre de sa chambre et il descendait l'allée en courant. J'appelai les surveillants et leur dis de le rattraper à tout prix car je craignais qu'il ne voulût faire quelque malheur. Je ne me trompais pas. Un moment après, je vis le camion revenir vers nous, chargé maintenant de grandes caisses. Les camionneurs s'épongeaient le front et ils avaient le visage encore tout rouge, comme s'ils avaient fait de violents efforts. Avant que je puisse rattraper notre malade, il se précipita sur le camion et saisissant l'un des hommes et l'obligeant à descendre, il se mit alors à le frapper à la tête de sa victime contre le sol. Si je n'étais arrivée près de lui à ce moment-là, je crois qu'il aurait tué l'homme. L'autre camionneur, sautant de la voiture, du manche de son fouet, lui asséna des coups qu'il devait le faire souffrir horriblement, et pourtant on aurait pu croire qu'il ne les sentait même pas, car il se tourna vers le second camionneur, puis c'est contre nous trois ensuite qu'il lutta, nous secouant d'un côté puis de l'autre avec autant de facilité, semblait-il, qu'il eût secoué de jeunes chats. Vous savez pourtant que je ne pèse pas rien, et les deux autres étaient de forts gaillards. Au début, il se battit sans prononcer un mot, mais comme peu à peu nous parvenions à le maîtriser et que mes aides lui mettaient une camisole de force, il commença à crier « Je déjouerai leur plan, ils ne me voleront pas, ils ne me tueront pas, je me battrai pour mon seigneur et maître. » Et il continua à lancer toutes sortes d'insanités. Nous eûmes beaucoup de difficultés à le ramener à l'établissement, puis à l'enfermer dans le cabanon. Hardy, un des surveillants, a même eu un doigt démis dans la bagarre, mais je lui ai remis aussitôt. Le pauvre garçon ne souffre plus.
Quant aux deux camionneurs, d'abord ils nous menacèrent de porter l'affaire devant les tribunaux, et pourtant, mêlés à ces menaces, on devinait comme des regrets, des excuses de s'être laissés tous deux battre par un pauvre démon. Ils prétendaient que, s'ils ne s'étaient pas donné tant de mal pour transporter les caisses, c'est eux, au contraire, qui auraient eu le dessus. Mais ils donnaient une autre raison encore à leur défaite, leur soif quasi insupportable après ce travail qui les avait couverts de poussière. Pour comble de malheur, aucune taverne à leur connaissance ne se trouvait dans les environs. Je compris parfaitement où ils voulaient en venir, et quand je leur eus fait boire à chacun un bon grog, ou plutôt deux, et glissé un souverain dans la main, ils ne parlèrent plus de l'incident, et que pour en rire, et formèrent le vœu de pouvoir se battre un jour contre un fou plus détraqué encore. Je pris leur nom et leur adresse, au cas où l'on aurait besoin d'eux. Les voici. Jack Smollett de Dudding's Rents, et Thomas Snelling, Peter Farley Rowe. Déménagement, expédition par mer, Orange Master Yard. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe ici d'important et je vous télégraphierai immédiatement s'il y a lieu. Votre dévoué, Patrick NSA. Mina Harker à Lucy Westenra. Lettre restée non ouverte par la destinataire, 18 septembre. Ma très chère Lucy, il nous arrive un bien grand malheur. Monsieur Hawkins vient de mourir, inopinément. Certains peut-être comprendront mal que nous ayons tant de chagrin, mais tous deux nous l'aimions maintenant au point qu'il nous semble avoir perdu un père. Pour moi, je n'ai pour ainsi dire pas connu mes parents, et quant à Jonathan, il est cruellement frappé dans l'affection qu'il avait pour cet homme exceptionnellement généreux et qui le considérait comme son propre fils. Cette disparition le laisse désarmé, à un autre point de vue encore. Le sentiment de toutes les responsabilités qui, à présent, vont lui incomber, déjà le rend plus nerveux, du moins le dit-il, et il commence à douter de lui-même. Pourtant, je l'encourage de mon mieux, et la confiance que j'ai en lui lui donne plus de confiance en lui-même, car c'est là le pire résultat du choc terrible dont il a été victime. Auparavant, il était si courageux, si énergique. S'il en fallait une preuve, ce serait l'estime que lui a précisément témoigné ce pauvre monsieur Hawkins en faisant de lui son associé. Il est dur de penser que les grandes qualités de la nature lui avait données sont réduites à ce point. Pardonne-moi, ma chérie, si je viens troubler ton bonheur en te parlant de mes soucis, mais il me faut en parler à quelqu'un, car devant Jonathan, je m'efforce de paraître contente et courageuse, et cela est épuisant quand on ne peut se confier à personne. Je redoute la journée d'après-demain, nous devrons aller à Londres, une des dernières volontés de M. Hawkins étant d'être enterré auprès de son père, et comme il n'avait plus de parents, même éloigné, c'est Jonathan qui conduira le deuil. Mais j'essaierai d'aller te voir, ma chère Lucie. Ne serait-ce que pendant quelques minutes. Pardonne-moi encore tous ces détails. En te souhaitant mille bonnes choses, je reste ta grande amie, Mina Harker. Journal du docteur Seward. 20 septembre. Ce soir, seule la volonté et aussi l'habitude me font reprendre ce journal. Je me sens malheureux, abattu, découragé. Comme si j'en avais assez du monde et de tout, oui. De la vie, mais elle-même, au point que l'ange de la mort me laisserait parfaitement impassible si je l'entendais en ce moment battre des ailes. Il est vrai que nous l'avons entendu passer ces derniers jours. D'abord la mère de Lucie, puis le père d'Arthur, et maintenant... Mais que je poursuive mon récit. Je retournais donc au chevet de Lucie pour permettre à Van Helsing d'aller se reposer. Tous deux nous conseillâmes à Arthur d'en faire autant, mais d'abord il refusa. Toutefois, lorsque je lui eus expliqué que nous aurions peut-être besoin de son aide au cours de la journée et qu'il nous fallait éviter que ce manque de sommeil s'ajoutât encore à notre fatigue, il y consentit. Van Helsing se montra très bon pour lui. « Venez, mon enfant, lui dit-il, vous êtes trop épuisé par l'angoisse et le chagrin, cela ne se comprend que trop. Vous ne devez pas rester seul, car la solitude nourrit l'anxiété. Venez avec moi au salon où il y a un bon feu et deux sofas. Vous vous étendrez sur l'un, moi sur l'autre, et d'être l'un près de l'autre nous réconfortera, même si nous ne parlons pas, même si nous nous endormons. » Arthur sortit de la chambre avec lui, non sans avoir arrêté longuement sur la pauvre Lucie un regard douloureux et aimant. Elle restait immobile dans son lit, et semblait-il dépérissait à vue d'œil. En regardant autour de moi, je m'aperçus que le professeur n'avait pas renoncé à utiliser les fleurs d'ail. Il en avait encore frotté les fenêtres, dans cette chambre comme dans l'autre. Partout, on en sentait fortement l'odeur, et comme autour du cou de la jeune fille, par-dessus le mouchoir de soie qu'il voulait qu'elle gardât tout le temps, il en avait en hâte tressé une nouvelle guirlande. Lucie n'avait jamais paru aussi mal. Sa respiration était stertoreuse. Sa bouche ouverte laissait continuellement voir ses gencives exsangues. Ses dents paraissaient plus longues, plus pointues encore que le matin même, et à cause d'un certain effet de lumière, on avait l'impression que les canines étaient encore plus longues et plus pointues que les autres dents. Je venais de m'asseoir auprès du lit quand elle fit un mouvement comme si elle souffrait. Au moment même, quelque chose vint cogner contre la vitre.
J'allais lentement jusqu'à la fenêtre, soulevai un coin du store et regardai. Il y avait un clair de lune, et je vis une grosse chauve-souris qui passait et repassait, sans doute attirée par la lumière faible cependant de la chambre à coucher. À tout moment, ses ailes venaient effleurer le carreau. Quand je revins m'asseoir près du lit, Lucie avait légèrement changé de position, avait rejeté les fleurs qui lui entouraient le cou. Je les remis aussi bien que je pus. Elle ne tarda pas à s'éveiller. J'essayai de lui faire prendre un peu de nourriture, comme Van Helsing me l'avait recommandé. C'est à peine si elle toucha à ce que je lui présentais. On eût dit qu'elle avait même abandonné maintenant cette force inconsciente qui jusqu'ici l'avait poussée à lutter contre la maladie, comme si elle l'avait voulu guérir à tout prix. Je fus frappée par le fait qu'au moment même où elle s'éveilla, elle serra contre elle la couronne de fleurs. Car, chose étrange, chaque fois qu'elle sombrait dans cet état léthargique où sa respiration devenait très difficile, elle écartait les fleurs. Chaque fois au contraire qu'elle s'éveillait ou était sur le point de s'éveiller, elle les saisissait, comme si elle avait voulu les presser davantage contre elle. Il m'eût été impossible de me tromper à ce sujet. Durant les longues heures qui suivirent, à plusieurs reprises, elle se réveilla et se rendormit. Et ce furent, tour à tour, les mêmes gestes. À 6 heures du soir, Van Helsing vint prendre ma place. Arthur s'était finalement assoupi et le professeur le laissa dormir. Quand il vit Lucie, j'entendis son petit sifflement et il me dit tout bas, mais sur un ton vif, « Levez le store, j'ai besoin de voir clair. » Il se baissa et son visage touchant presque celui de Lucie, il procéda à un examen minutieux. Pour ce faire, il écarta les fleurs, souleva le mouchoir de soie. Aussitôt, il sursauta et son cri s'étrangla dans sa gorge. « Mon Dieu !» À mon tour, je me penchai et je vis... Et ce que je vis me fit frémir assez étrangement. Les blessures à la gorge avaient complètement disparu. Pendant 5 minutes au moins, Van Helsing resta là, à regarder la pauvre enfant, l'air plus consterné, plus grave que jamais. Puis lentement, il se retourna vers moi et me dit avec calme « Elle est en train de mourir. Cela ne tardera plus maintenant. Mais entendez-moi bien, qu'elle meure dans son sommeil ou non, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Allez éveiller ce pauvre garçon, qu'il vienne la voir une dernière fois. » Il attend que nous l'appelions, nous le lui avons promis. Je descendis dans la salle à manger, j'éveillai Arthur. Il lui fallut un bon moment pour reprendre ses esprits, mais lorsqu'il s'aperçut que les rayons du soleil entraient par les interstices des persiennes, il pensa que le jour était plus avancé encore qu'il ne l'était en réalité. Je lui dis que Lucie dormait toujours, mais je lui avouai peu à peu ce que nous craignions. Van Helsing et moi, la fin fut proche. Que la fin fut proche. Se couvrant le visage des mains, il se laissa glisser à genoux contre le sofa. Il demeura ainsi quelques minutes, en prière, la tête enfouie dans les mains, les épaules secouées par les sanglots. Pour qu'il se relevât, je lui pris par la main. « Allons, mon vieil ami, lui dis-je, soyez courageux, ne serait-ce que pour elle. » Dès que nous entrâmes dans la chambre de Lucie, je vis que Van Helsing, toujours plein d'attention délicate, avait fait en sorte que tout eût l'air aussi naturel, j'allais dire aussi gai que possible. Il avait même brossé les cheveux de Lucie, répandus sur l'oreiller avec de beaux reflets, pareils à ceux de la soie. Nous étions à peine entrés qu'elle ouvrit les yeux, et voyant son fiancé, elle murmura doucement. « Arthur, mon amour, comme c'est bien que vous soyez là. » Il se penchait pour l'embrasser, mais Van Helsing le retint. « Non, murmura-t-il. Non, pas encore. Mais prenez-lui la main. Cela la réconfortera bien davantage. » Arthur lui prit donc la main et s'agenouilla près du lit. Malgré tout, elle paraissait encore jolie. La douceur de ses tresses harmonisait avec la beauté angélique de ses yeux. Peu à peu, ses paupières se fermèrent et elle s'endormit. Pendant quelques moments, sa poitrine se souleva, s'abaissant lentement, régulièrement. À la voir respirer, on eût dit un enfant fatigué. Puis, petit à petit, se fit à nouveau ce changement étrange que j'avais déjà remarqué au cours des dernières heures. Sa respiration devint difficile, entrecoupée de râles, sa bouche s'entr'ouvrit et les gencives blanches retirées rendaient les dents plus longues et plus pointues que jamais. Alors, dans un état proche de l'inconscience, elle ouvrit les yeux, le regard à la fois triste et dur, mais ce fut d'une voix douce et voluptueuse qu'elle répéta « Arthur, oh mon amour, je suis si heureuse, comme c'est bien que vous soyez là, embrassez-moi !» Arthur se pencha de nouveau pour l'embrasser, mais cet instant, Van Helsing, qui comme moi avait trouvé insolite le ton sur lequel la malade avait parlé, des deux mains le saisirent par les épaules et le fit reculer d'un geste si violent que je m'aperçus avoir ignoré jusque-là qu'il avait tant de force et l'envoya presque à l'autre bout de la chambre. « Malheureux, ne faites pas ça !» s'écria-t-il. « Ne faites jamais ça, par pitié, pour votre âme et pour la sienne. » Arthur resta interdit l'espace d'un moment, ne sachant que dire ni que faire, mais à peine se fut-il ressaisi et avant même de protester contre le geste apparemment impitoyable du professeur, il se souvint des circonstances et continua de demeurer silencieux. Il attendait.
Van Helsing et moi, nous ne quittions pas Lucie des yeux. Nous vîmes comme une convulsion de rage passer sur ses traits et ses dents pointues se rejoignirent avec bruit, comme si elle avait mordu quelque chose. Puis, encore une fois, les yeux fermèrent, les vieux se fermèrent, la respiration devint difficile. Mais elle rouvrit bientôt les yeux, qui avaient repris toute leur douceur, et sa pauvre petite main blanche et décharnée chercha celle de Van Helsing. L'attirant à elle, elle la baisa. « Mon ami incomparable, lui dit-elle d'une voix faible, tremblante d'une émotion indicible, mon ami incomparable, qui est aussi le sien, oh, veillez sur lui, et à moi, donnez le repos. » « Je vous le jure, » répondit le professeur avec gravité en s'agenouillant contre le lit et en faisant le serment. Puis se tournant vers Arthur, « Venez mon enfant, lui dit-il, prenez-lui la main et déposez un baiser sur son front. Un seul, vous m'entendez ?» Leurs regards se rencontrèrent au lieu de leurs lèvres et c'est ainsi qu'ils se quittèrent. Les yeux de la jeune fille se refermèrent et Van Helsing, qui avait observé attentivement pendant les derniers moments, prit Arthur par le bras et l'éloigna du lit. On entendit encore quelques râles, puis plus rien. Plus la moindre respiration. « C'est fini, » dit Van Helsing. « Tout est fini. » J'emmenai Arthur, descendis avec lui au salon, où il se laissa tomber dans un fauteuil et le visage dans les mains se mit à sangloter. À le voir ainsi, moi-même je perdis presque tout courage. Pourtant j'allais rejoindre Van Helsing et le trouvais toujours auprès de Lucie, continuant à la regarder, apparemment plus intriguée que jamais. Aussitôt, je remarquai que la mort avait rendu la pauvre enfant un peu de sa beauté. Ni ses joues ni son front n'étaient plus tirés, même ses lèvres avaient perdu leur pâleur de cadavre. On eût dit que le sang, dont le cœur maintenant n'avait plus besoin, était venu colorer les lèvres pour atténuer l'effrayant aspect de la mort. Alors qu'elle dormait, nous la croyions mourante, maintenant qu'elle est morte, elle a l'air de dormir. Je me tenais à côté de Van Helsing et je lui dis « Enfin, la pauvre petite est en paix. Pour elle, les souffrances sont finies. » « Non, hélas, » murmura-t-il en tournant la tête vers moi. « Non, hélas, elles ne font que commencer. » Je lui demandais ce qu'il voulait dire. Hochant la tête, il me répondit « Il est trop tôt pour agir. Attendons, voyons ce qui va se passer. » Chapitre 13, Journal du docteur Seward. Nous décidâmes que les funérailles auraient lieu dès le surlendemain afin que Lucie et sa mère fussent enterrées ensemble. Je m'occupais de toutes les lugubres formalités. Les employés de l'entrepreneur de pompes funèbres, je pus m'en rendre compte, étaient affligés ou dotés de la douceur obséquieuse de leur patron. Et même la femme qui procéda à la toilette mortuaire prit un ton à la fois confidentiel et professionnel pour me déclarer, en sortant de la chambre de la pauvre Lucie, « Elle fait une très belle morte, monsieur. C'est vraiment un privilège que de s'occuper d'elle. Ce n'est pas trop de dire qu'elle fera honneur à notre firme. » Van Helsing, je le remarquai, ne s'éloigna pas de la maison. Nous ne connaissions pas les parents des défuntes, et comme pendant la journée du lendemain, Arthur devait s'absenter pour assister à l'enterrement de son père, il nous fut impossible d'avertir aucun membre de la famille. Van Helsing et moi prîmes donc la responsabilité d'examiner tous les papiers que nous trouvâmes. Le professeur voulut tout particulièrement voir lui-même ceux de Lucie. Je lui en demandai la raison, car je craignais que, étant étranger, il ignorât certains détails de la loi anglaise, et que de ce fait, il pût nous entraîner en certaines difficultés. « Vous oubliez, me répondit-il, que je suis docteur en droit aussi bien que docteur en médecine. Mais la loi n'a que faire ici. Vous vous en rendiez parfaitement compte quand vous me disiez qu'il fallait éviter une enquête. Et encore, s'il ne s'agissait que d'éviter une enquête. Nous trouverons peut-être d'autres documents, comme celui-ci. » Tout en parlant, il avait pris de son calepin les feuillets que Lucie avait gardés sur elle, puis que dans son sommeil, elle avait déchirés. Si vous pouvez apprendre... « Qui est le notaire de Miss Westenra ? Écrivez-lui ce soir en lui envoyant tous les papiers concernant sa cliente. Quant à moi, je passerai toute la nuit, soit dans cette chambre, soit dans l'ancienne chambre de Miss Lucie, car il y a encore des recherches que je veux faire moi-même. Il ne faut pas que ce qu'elles auraient pu laisser soit découvert par des étrangers. » J'allais donc remplir la tâche qui m'était assignée, et moins d'une demi-heure plus tard, j'avais retrouvé le nom et l'adresse du notaire de Miss Westenra. Tous les papiers de la pauvre dame étaient parfaitement en ordre, ses volontés concernant les funérailles notamment y étaient clairement formulées. Je venais à peine de refermer le pli, quand Van Helsing, à ma grande surprise, entra dans la pièce. « Puis-je vous aider, mon ami John ?» me demanda-t-il. « Je n'ai plus rien à faire ici. Si vous le désirez, vous pouvez disposer de moi. » « Vous avez donc trouvé ce que vous cherchiez ?»« Je ne cherchais rien de bien précis, j'espérais seulement trouver quelque chose... » Et j'ai trouvé quelques lettres et le début d'un journal. Je les ai pris et jusqu'à nouvel ordre, nous n'en parlerons pas. Je verrai demain soir ce pauvre garçon et alors, s'il m'y autorise, nous utiliserons l'un ou l'autre de ces documents. À présent, mon ami John,
Je crois que nous pouvons aller au lit. Nous avons besoin, vous et moi, de repos et de sommeil. Demain, nous aurons beaucoup à faire, mais pour ce soir, c'est bien tout, hélas. Cependant, nous allâmes jeter encore un coup d'œil dans la chambre où reposait la pauvre Lucie. L'entrepreneur des pompes funèbres, désireux de ne rien négliger du travail que l'on attendait de lui, avait transformé la chambre en chapelle ardente. On pouvait y voir une profusion de fleurs blanches qui tendaient à rendre le spectacle moins pénible autant que faire se pouvait. Le linceul recouvrait le visage de la morte quand le professeur le souleva doucement le bout. Tous deux, nous fûmes surpris par la beauté des traits parfaitement éclairés par de grands cierges. Dans la mort, Lucie était redevenue aussi jolie que nous l'avions connue avant sa maladie. Les heures écoulées depuis qu'elle avait rendu son dernier soupir n'avaient fait que lui rendre cette beauté de la vie au point que, réellement, je doutais de me trouver devant un cadavre. Le professeur, lui, semblait réfléchir gravement. Il ne l'avait pas aimée comme je l'avais aimée, et les larmes ne lui remplissaient pas les yeux. « Attendez-moi ici, » me dit-il soudain, et il quitta la chambre. Quand il revint, il tenait à la main des fleurs d'ail qu'il avait prises dans une caisse que l'on avait déposée dans le corridor, mais qui n'avait pas encore été ouverte. Il plaça ses fleurs un peu partout parmi les autres, de même qu'autour du lit. Puis il prit sous le col de la chemise une petite croix qu'il mit sur les lèvres de la morte. Le linceul recouvrant à nouveau le visage, nous nous retirâmes. Je me déshabillais dans ma chambre quand, frappant à la porte et entrant presque aussitôt, Van Helsing me dit « Demain, je voudrais que vous m'apportiez avant le soir des instruments pour une autopsie. »« Ah, nous allons procéder à une autopsie ?»« Oui et non. Je veux, il est vrai, faire une opération, mais pas celle à laquelle vous pensez. Laissez-moi vous expliquer, seulement que personne n'en sache rien, n'est-ce pas ?» Je crois qu'il nous faut lui couper la tête, et aussi lui enlever le cœur. Quoi ? Vous, un chirurgien, vous seriez choqué ? Vous que j'ai vu opérer un cœur si courageux et d'une main si ferme, les malades dont la vie ne tenait qu'à un fil, cependant que tous vos condisciples frémissaient ? Oh, pardonnez-moi, je ne dois pas oublier, mon cher John, que vous l'aimiez. Aussi, est-ce moi qui opérerai ? Vous, vous m'assisterez. J'aurais désiré le faire dès ce soir, mais cela est impossible, à cause d'Arthur. Il reviendra ici demain, après l'enterrement de son père, et évidemment il voudra encore la voir. Mais, quand on aura fermé le cercueil, et que tout le monde dormira dans la maison, nous viendrons, vous et moi, rouvrir le cercueil pour faire l'opération, puis nous remettrons tout en place, de sorte que personne ne s'apercevra de quoi que ce soit. Mais vraiment, à quoi tout cela peut-il servir ? La pauvre enfant est morte, pourquoi lui ouvrir le corps sans nécessité ? Et s'il est inutile de faire une autopsie, si cela ne peut rien apporter ni à la morte, ni à nous, ni à la science, ni même à la connaissance humaine, à quoi bon ? Ce serait monstrueux. Il me mit la main sur l'épaule et me répondit, la voix pleine de tendresse. « Mon cher John, je comprends votre chagrin et je vous plains de tout mon cœur. Je vous aime d'autant plus d'ailleurs que votre douleur est plus profonde. Si je le pouvais, je ferais mienne l'épreuve que vous devez supporter. » Toutefois, il y a des choses que vous ignorez encore, mais que vous connaîtrez bientôt, et vous me bénirez alors de vous les avoir fait connaître, bien que ce ne soit pas des choses fort réjouissantes. John, mon garçon, voilà des années que vous êtes mon ami. M'avez-vous jamais vu accomplir une action sans avoir pour cela une raison préremptoire ? Je puis me tromper, je ne suis qu'un homme, mais je crois à tout ce que je fais. N'est-ce pas justement pour cela que vous m'avez appelé ici ? Oui, n'avez-vous pas été étonné, scandalisé quand j'ai empêché Arthur d'embrasser sa fiancée alors qu'elle mourait ? Et l'est brusquement éloignée du lit ? Oui, et pourtant vous avez vu comme elle. Elle m'a remerciée en me regardant de ses beaux yeux qui allaient se fermer à jamais, en me parlant de sa voix si faible et en portant à ses lèvres ma vieille main rugueuse. Oui, et m'avez-vous pas entendu lui jurer de faire ce qu'elle me demandait ? Oui, eh bien, j'ai une bonne raison maintenant d'agir comme je veux agir. Vous avez eu confiance en moi pendant de nombreuses années. Vous m'avez cru durant les semaines qui viennent de s'écouler, alors qu'il se passait des choses si étranges que le doute de votre part eût été permis. Accordez-moi de me croire encore quelque temps, mon cher John. Si vous vous y refusez, je devrais vous dire dès à présent tous mes soupçons, mais je me demande si cela est souhaitable. D'autre part, si je commence à travailler sans avoir la confiance entière de mon ami, et que je l'ai ou non, je veux vérifier par l'expérience si je me trompe ou si je suis dans le vrai, je travaillerai le cœur lourd, et avec le sentiment d'être seul, alors que j'ai un tel besoin d'aide et d'encouragement. » Il s'interrompit un moment, puis ajouta « Croyez-moi, mon cher John, les jours terribles nous attendent. Ne soyons à deux qu'un seul homme pour mener à bonne fin ce qu'il nous faut à tout prix entreprendre. » Je lui pris la main et lui promis de lui garder toute ma confiance comme par le passé. Je tins ma porte ouverte pour le laisser sortir et le suivis des yeux jusqu'à ce qu'il fût rentré dans sa propre chambre et eut refermé sa porte. À ce moment, je vis l'une des servantes traverser le palier. Elle ne me vit pas car elle me tournait le dos
et rentrai dans la chambre où reposait Lucie. J'en fus profondément touchée. Le véritable attachement est si rare et nous sommes si reconnaissants à ceux qui en font preuve spontanément envers les êtres que nous aimons. Voilà une pauvre fille qui surmontait l'horreur que sans nul doute lui inspirait la mort pour aller veiller auprès du cercueil où dormait sa jeune maîtresse, afin que le pauvre corps ne restât pas seul avant d'être porté au lieu du repos éternel. J'avais dû dormir longtemps et profondément, car il faisait grand jour quand Van Helsing m'éveilla en entrant dans ma chambre. Il s'approcha de mon lit et me dit aussitôt « Inutile de m'apporter les instruments pour autopsie, je renonce à l'affaire. » « Pourquoi ?» demandai-je encore tout impressionné par ce qu'il m'avait dit la veille et fort étonné de ce soudain revirement. « Parce que, » fit-il sur ce ton grave que les événements des derniers jours avaient rendu habituel chez lui, « parce qu'il est trop tard, ou trop tôt. Regardez. » Il me montra la petite croix d'or. « On l'a volée pendant la nuit. » « Comment cela, volée, puisque vous l'avez ?» Je l'ai reprise à la malheureuse créature qui l'avait volée, à une femme qui dépouille les morts et les vivants. Certes, son châtiment viendra, mais je n'y serai pour rien. Elle ignore ce qu'elle a fait au juste, et l'ignorant, elle est donc seulement coupable d'un vol. Là-dessus, il sortit, me laissant seule. L'eusse-je voulu, cela aurait été vain, je le savais, que j'aurais cherché à éclaircir ce nouveau mystère. La matinée fut évidemment lugubre et me parut longue. Vers midi, pourtant, le notaire arriva. Monsieur Marquand, de l'étude Wallman. C'était un homme fort aimable qui nous remercia pour tout ce que nous avions déjà fait. Il se chargea de toutes les dernières formalités et jusqu'au moindre détail. Durant le lunch, il nous répéta que Miss Westenra, avant de mourir, avait mis toutes ses affaires en ordre et il nous apprit que, à l'exception d'une propriété du père de Lucie et qui maintenant, à défaut de descendance directe, retournait à une branche lointaine de la famille, tous les biens immobiliers et autres étaient laissés à Arthur Holmwood. Lorsqu'il nous eut expliqué cela, il poursuivit « À dire vrai, nous avons essayé d'empêcher de telles dispositions testamentaires. Nous avons, entre autres choses, fait remarquer à Miss Westenra que certains événements imprévus pourraient laisser sa fille sans un sou vaillant ou l'empêcher d'agir en toute liberté le jour où elle envisagerait de se marier. Les choses entre elle et nous faillirent se gâter à tel point qu'elle nous demanda finalement si oui ou non nous voulions veiller à l'exécution de ses dernières volontés. Naturellement, n'ayant pas le choix, nous acceptâmes. Mais en principe, nous avions raison. » Et 99 fois sur 100, par suite logique des événements, nous aurions pu le prouver. Je dois admettre toutefois que, dans ce cas en particulier, toute autre forme testamentaire eût rendu impossible l'exécution de ses volontés, car puisqu'elle devait mourir avant sa fille, cette dernière héritait de tous les biens et n'aurait-elle survécu à sa mère que 5 minutes seulement, et à supposer qu'il n'y ait pas eu de testament, en vérité, l'existence d'un testament était pratiquement impossible dans un cas comme celui-ci. On l'aurait considérée comme morte intesta. De la sorte, Lord Godalming, bien qu'il fût un ami si cher et fiancé de la jeune fille, n'aurait eu absolument droit à rien. Vraisemblablement, les héritiers, même lointains, n'auraient pas abandonné à un étranger, pour des raisons sentimentales, ce qui leur revenait légalement. Croyez-moi, messieurs, je me réjouis de ce résultat et je m'en réjouis vivement. C'était sans nul doute un excellent garçon, mais qu'il se réjouit de ces détails auxquels l'intéressait sa profession, alors que le malheur qui arrivait tenait de la tragédie, voilà qui était un exemple du peu de sympathie et de compréhension que l'on rencontre chez certains hommes. Il ne restera pas longtemps avec nous, mais il nous dit qu'il reviendrait en fin d'après-midi pour rencontrer Lord Godalming. Sa visite, malgré tout, nous avait fait quelque peu réconforté puisqu'il nous assura que, quant à nous, nous n'avions à craindre aucun blâme au sujet de nos démarches depuis la mort de Miss Westenra et celle de Miss Lucy. Nous attendions Arthur à 5 heures. Un peu avant, nous nous rendîmes dans la chambre de la mort. C'était bien ainsi qu'on pouvait l'appeler, car maintenant la mère et la fille y reposaient toutes deux. L'entrepreneur des pompes funèbres s'était surpassé. Le spectacle, par trop lugubre de la pièce, nous plongea dans un abattement que nous sentîmes insurmontable. Van Helsing exigea aussitôt que l'on remît les choses telles qu'elles étaient auparavant. Lord Godalming, précisa-t-il, allait arriver, et ce serait sans doute moins déchirant pour lui, si toutefois cela était possible, de ne voir ici que sa fiancée. L'entrepreneur de pompes funèbres feignit d'être scandalisé par sa propre stupidité et il fit ce qu'on lui demandait. Quand Arthur arriva, la chambre était comme nous l'avions laissée la veille avant d'aller nous coucher. Pauvre garçon, dans son désespoir et après tant d'émotions plus douloureuses les unes que les autres, il ne semblait plus le même homme. Je savais qu'il aimait profondément son père. Le perdre, et à ce moment, était pour lui un coup terrible. Il me témoigna d'autant d'amitié que de coutume et se montra poli et même fort aimable envers Van Helsing, mais il me parut un peu embarrassé. Le professeur, ayant sans doute la même impression, me fit signe de monter avec lui. Je voulus le quitter à la porte de la chambre, pensant qu'il préférerait être seul avec Lucie, mais il prit mon bras et nous entrâmes tous les deux en même temps.
Vous aussi, mon ami, vous l'aimiez, me dit-il d'une voix étranglée. Elle m'a tout raconté, et aucun de ses amis ne lui était plus cher que vous. Comment pourrais-je vous remercier de tout ce que vous avez fait pour elle? Maintenant encore, il m'est impossible de... Il éclata en sanglots, jeta les bras autour de mes épaules et la tête sur ma poitrine. « Oh, Jack, Jack, que vais-je devenir? Il me semble que j'ai tout perdu, que je n'ai plus au monde aucune raison de vivre. » Je le consolais de mon mieux. Les paroles, en de telles circonstances, sont inutiles. Une poignée de main ou une main, fortement appuyée sur l'épaule de l'ami dans l'affliction, ou encore un sanglot se mêlant au sien, ce sont là des expressions de sympathie que le cœur reconnaît tout de suite. J'attendis que ces sanglots fussent apaisés, puis je lui dis tout bas, tout doucement, « Allons, venez la regarder. » Nous nous approchâmes du lit et soulevâmes légèrement le drap du visage. Dieu, qu'elle était belle! Chaque heure qui passait semblait la rendre plus jolie. Non seulement cela m'étonnait, mais m'effrayait quelque peu. Quant à Arthur, je vis que le doute, l'angoisse le secouaient, et il se mit à trembler comme s'il avait été pris de fièvre. Finalement, après être resté longtemps sans rien dire, il me murmura à l'oreille, « Jack, est-elle vraiment morte ?» Il m'a fallu bien lui affirmer qu'il en était malheureusement ainsi, car je savais que le doute où il était de toute façon ne durerait qu'un moment. Et je lui expliquais que souvent, après la mort, les traits du visage reprennent une expression à la fois douce et reposée qui rappelle celle de la jeunesse, et cela d'autant plus lorsque de longues souffrances ont précédé la mort. Mes paroles parurent le convaincre, et après s'être sagement agenouillé, un moment près du lit et avoir longuement contemplé la jeune fille avec amour, il se détourna. Je l'avertis encore que c'était le moment de lui dire adieu pour toujours, car on allait la mettre dans le cercueil, de sorte qu'il alla lui reprendre sa pauvre petite main, la porta à ses lèvres, puis se pencha pour lui baiser le front. Il se décida enfin à quitter la chambre, mais en regardant encore la chair défunte jusqu'à ce qu'il eût franchi la porte. Je le laissai dans le salon pour aller rejoindre Van Helsing. Celui-ci donna alors l'ordre aux employés et de l'entrepreneur des pompes funèbres de monter le cercueil et de procéder à la mise en bière. Pendant ce temps, je répétais au professeur la question qu'Arthur m'avait faite. « Cela ne m'étonne nullement, me dit-il. Moi-même, un moment, j'ai eu un doute. Au dîner, je remarquai que le pauvre Arthur s'efforçait de cacher sa douleur du mieux qu'il pouvait. Van Helsing, lui, était resté silencieux pendant tout le repas. Mais lorsque nous eûmes allumé nos cigares, il s'adressa à Arthur. « Lord. Non, non, passez-la pour l'amour de Dieu, » fit l'autre en l'interrompant. « Pas encore, en tout cas. Pardonnez-moi, monsieur, je n'avais évidemment pas l'intention de vous blesser. » Croyez-moi, mais comprenez-moi, mon deuil est si récent. » Le professeur répondit sur un ton très doux. « Je vous donne seulement ce titre parce que je ne savais comment vous appeler. Je n'aime pas vous appeler monsieur, parce que j'ai maintenant beaucoup, beaucoup d'affection pour vous, mon garçon. Pour moi aussi, vous êtes Arthur. » Arthur tendit cordialement la main au vieux docteur. « Donnez-moi le nom que vous voulez, mon ami, mais j'espère que vous me considérerez toujours comme un ami. » Et laissez-moi vous le dire, j'ai beau chercher, je ne trouve pas les mots qui pourraient exprimer ma reconnaissance envers vous. Quelle bonté fut la vôtre pour ma pauvre chérie ! Il se tut un instant, puis reprit. Je sais que cette bonté, elle la comprenait encore mieux que moi, et si je ne suis pas conduit comme j'aurais dû le faire à ce moment-là. Vous vous souvenez ? Le professeur fit de la tête un signe affirmatif. Je vous prie de me pardonner. La réponse de Van Helsing témoigna à nouveau d'une véritable sympathie. Je sais, fit-il lentement et avec calme, qu'il était très difficile pour vous de m'accorder une entière confiance, car pour accorder sa confiance devant un geste aussi violent que celui que j'ai eu alors, il faut d'abord comprendre. Et je suppose que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas encore avoir confiance en moi, car vous ne comprenez pas encore. Pourtant, il y aura encore bien des circonstances où j'aurai besoin de votre confiance alors que vous ne comprendrez pas, que vous ne pourrez pas, que vous ne devrez pas comprendre. Toutefois, le temps viendra où cette confiance que vous me donnerez sera entière et complète, où vous comprendrez les choses comme si le soleil lui-même les illuminait. Alors, vous me bénirez d'avoir agi comme je l'ai fait, pour votre bien, pour le bien des autres et pour le bien de la pauvre enfant que j'ai juré de protéger. Mais oui, répliqua Arthur, je me fierai complètement à vous, je sais que vous avez le cœur généreux et vous êtes l'ami de Jack, comme vous étiez pour elle un ami. Vous agissez ainsi que vous croyez devoir le faire. Après s'être éclairci la voix à deux reprises, comme si chaque fois il avait été sur le point de parler, le professeur reprit finalement. « Puis-je vous poser une question ?»« Certainement. Vous savez que Miss Westenra vous a laissé tout ce qu'elle possédait ?»« Non, la pauvre chère dame. Non, je ne m'en serais pas douté. » »« Et puisque maintenant tous ces biens vous appartiennent, vous avez le droit d'en disposer comme il vous plaît. » »« Je vous demande la permission de pouvoir lire tous les papiers, toutes les lettres de Miss Lucy. » Croyez-moi, ce n'est pas par curiosité, j'ai pour cela une raison que j'en suis sûre,
Elle eut approuvé. J'ai trouvé ces papiers et ces lettres. Je les ai pris avant de savoir que désormais ils vous appartenaient, comme tout le reste, afin qu'aucune main étrangère ne pût s'en emparer, afin qu'aucun œil étranger ne pût, à travers les mots, pénétrer ses pensées. Je les garderai, si vous m'y autorisez. Si vous-même ne les voyez pas maintenant, ce qui est peut-être préférable, je les garderai en lieu sûr. Rien de ce qu'elle a écrit ne sera perdu. Puis, quand le moment sera venu, je vous rendrai papier et lettres. Sans doute est-ce beaucoup vous demander, mais vous consentirez, n'est-ce pas, par amour pour Lucie. Arthur répondit avec une franchise, une sincérité où je me retrouvais. « Docteur Van Helsing, vous ferez tout comme vous l'entendez. Je sais que si elle était ici, ma pauvre Lucie approuverait mes paroles. Je ne vous poserai aucune question jusqu'à ce que vous jugiez bon de vous expliquer. » « Vous avez raison, » dit gravement le vieux professeur en se levant. « Nous aurons tous beaucoup à faire et nous aurons beaucoup de soucis. Mais il n'y aura pas de soucis encore qu'après cela, nous devons nous attendre à en connaître d'autres. » Le docteur Seward et moi, et vous aussi mon ami, vous plus que quiconque, oui, tous trois, nous traverserons bien des heures amères avant d'atteindre la quiétude. Il nous faudra être très courageux, ne jamais penser à nous-mêmes, et faire notre devoir. Ainsi tout ira bien. Cette nuit-là, je dormis sur un sofa dans la chambre d'Arthur. Van Helsing, lui, ne se coucha pas du tout. Il allait et venait, comme s'il patrouillait dans la maison, mais il ne s'éloigna jamais de la chambre où Lucie gisait dans son cercueil, que l'on avait tout parsemé de fleurs d'ail, lesquelles, contrastant avec le parfum des lys et des roses, répandaient dans la nuit une forte odeur accablante. Le journal de Mina Harker, 22 septembre. J'écris dans le train qui nous ramène à Exeter. Jonathan dort. Il me semble que c'est hier que j'ai écrit les dernières lignes de ce journal, et pourtant combien de choses se sont passées depuis lors, depuis qu'à Whitby nous faisions des projets d'avenir alors que Jonathan était au loin et que j'étais sans nouvelles de lui. Et maintenant me voilà mariée à Jonathan qui est solliciteur, maître de sa propre étude. Monsieur Hawkins est mort et enterré. Jonathan vient d'être victime d'une nouvelle crise qui, j'en ai peur, peut avoir de fâcheuses conséquences. Un jour peut-être me questionnera-t-il à ce sujet. Je m'aperçois que j'ai la main un peu rouillée pour la sténographie. À quoi mène une fortune inattendue, de sorte qu'il serait peut-être souhaitable de m'y exercer de nouveau de temps en temps. Le service a été très simple, très émouvant. Il n'y avait que nous et les domestiques, deux ou trois autres de ses vieux amis d'Exeter, dont son agent londonien et un autre monsieur, qui représentait Sir John Paxton, le président de l'Incorporated Law Society. Jonathan et moi, nous nous tenions la main et nous sentions que notre ami, le meilleur, notre ami le plus cher, nous quittait à jamais. Pour revenir en ville, nous avons pris un bus qui nous a déposé à Hyde Park Corner. Jonathan, pensant me faire plaisir, me proposa d'entrer dans la grande allée du parc. Nous allons donc nous y asseoir. Mais il n'y avait que très peu de monde et toutes ces chaises vides, c'était un spectacle bien triste qui nous fit penser à la chaise vide que nous trouverions en rentrant chez nous. Aussi, nous ne restâmes pas là, et nous nous dirigeâmes vers Piccadilly. Jonathan avait pris mon bras, comme il le faisait toujours autrefois, pour me conduire jusqu'à l'école. À vrai dire, cela ne me paraissait pas très convenable, car on n'enseigne pas pendant des années le savoir-vivre à des jeunes demoiselles sans en être soi-même quelque peu marqué. Mais maintenant, Jonathan étant mon mari, nous ne connaissions aucune personne que nous croisions, et peu nous importait si l'une ou l'autre d'entre elles nous reconnaissait. Nous marchions, à l'endroit devant nous. J'eus l'attention attirée par une très belle jeune fille, coiffée d'un immense chapeau et assise dans une victoria, qui était arrêtée devant la maison Guignano. Au même instant, la main de Jonathan me serra le bras au point que j'en eus mal, et je l'entendis me murmurer à l'oreille, presque en retenant sa respiration. « Mon Dieu !» Il ne se passe pas de jour que je ne sois inquiète au sujet de Jonathan, car j'ai toujours peur qu'une nouvelle crise nerveuse ne l'ébranle, de sorte que je me tournais vivement vers lui et lui demandais ce qui se passait. Je le vis très pâle, ses yeux exorbités et brillants à la fois de frayeur et d'étonnement, semblait-il, restaient fixés sur un homme, grand et mince, au nez aquilin, à la moustache noire, à la barbe pointue, qui, lui aussi, regardait la ravissante jeune fille. Il la regardait même si attentivement que il ne nous remarqua ni l'un ni l'autre, de sorte que je pus l'observer tout à mon aise. Son visage n'annonçait rien de bon. Il était dur, cruel, sensuel, et ses énormes dents blanches, qui paraissaient d'autant plus blanches qu'entre les lèvres couleur rubis, étaient pointues, comme les dents d'un animal. Jonathan continua longuement à le fixer des yeux, et je finis par craindre que l'homme ne s'en aperçût et ne s'en formalisât. Vraiment, il avait l'air redoutable. Quand je demandai à Jonathan la cause de son trouble, il me répondit, croyant évidemment que j'en savais aussi long que lui. « L'as-tu reconnu ?»« Mais non,
Je ne le connais pas, qui est-ce ? Sa réponse fut pour moi un véritable choc, car au ton sur lequel il la fit, on eût dit qu'il ne savait plus que c'était à moi, Mina, qu'il parlait. Mais c'est lui, c'est cet homme ! Le pauvre chéri était évidemment terrifié par quelque chose, extraordinairement terrifié, je crois, que si je n'avais pas été près de lui, que s'il n'avait pas pu s'appuyer sur moi, il serait tombé. Il regardait toujours celui qui pour moi était un inconnu. Un homme sortit alors du magasin, tenant à la main un petit paquet qu'il donna à la demoiselle. L'autre ne la quittait pas des yeux, et quand la voiture démarra pour remonter Piccadilly, il suivit la même direction et appela un cabriolet. Jonathan le suivit encore des yeux un moment, puis il dit, comme s'adressant à lui-même, « Oui, je crois bien que c'est le comte, mais il a rajeuni. Mon Dieu, si c'est lui! Oh, mon Dieu, si au moins je savais, si au moins je savais !» Il se tourmentait à tel point que je me gardais bien de lui poser la moindre question, de peur d'entretenir chez lui des pensées qui le torturaient. Je restais donc silencieuse. Je le tirais doucement, et comme il me tenait le bras, il se laissa entraîner. Nous reprîmes notre promenade et nous entrâmes dans Green Park, où nous sommes assis un moment. Cette journée d'automne était chaude et nous choisîmes pour nous reposer un banc sous un bouquet d'arbres. Jonathan regarda quelques minutes dans le vide, puis ferma les yeux et s'endormit tranquillement, la tête sur mon épaule. J'en étais ravie, me disant que rien ne pourrait lui faire plus de bien. Au bout de 20 minutes, il s'éveilla et me dit sur un ton très gai « Mina, je m'étais endormie. Oh, pardonne-moi ma chérie. Viens, nous irons prendre une tasse de thé quelque part. » Je m'en rendais compte, il avait tout oublié de la rencontre que nous venions de faire. De même que pendant la maladie, il avait oublié tout ce que cet incident venait de lui rappeler. Qu'il recommença ainsi à oublier certaines choses ne me plaisait pas. Ses facultés mentales pourraient en souffrir de nouveau, ou plutôt en souffrir davantage. Mais, encore une fois, je ne pouvais pas lui poser de questions, c'eût été lui faire plus de mal que de bien. Je crois pourtant connaître la vérité sur son voyage à l'étranger. Le temps est venu, je dois pourtant connaître la vérité sur son voyage à l'étranger. Le temps est venu, je le crains, où il me faut délier le petit ruban bleu et lire ce qui est écrit dans le calepin. Oh, Jonathan, tu me pardonneras, je le sais, et si je le fais, c'est pour ton bien. » Un peu plus tard. Triste retour à la maison, pour plus d'une raison. La chère âme qui avait été si bonne n'était plus là. Jonathan avait la pâleur d'un malade après cette légère rechute. De plus, un télégramme d'un certain Van Helsing nous attendait. « J'ai le regret de vous annoncer la mort de Miss Westenra, survenue il y a 5 jours, et celle de sa fille, Lucie, avant-hier. Toutes deux ont été enterrées aujourd'hui. » Oh, comme ces quelques mots seulement peuvent signifier tant de choses tristes. Pauvre Miss Westenra, pauvre Lucie, partie, partie pour toujours, et pauvre, pauvre Arthur, dont la vie est désormais privée d'une si douce présence. Dieu nous aide tous à supporter notre chagrin. Journal du docteur Seward, 22 septembre. Tout est donc fini. Arthur est reparti pour Ring. Il a emmené Kinsey Morris avec lui. Quel admirable garçon, ce Kinsey. Très sincèrement, je crois qu'il a souffert de la mort de Lucie autant que n'importe lequel d'entre nous, mais il a su garder son sang-froid, avec un courage de viking. Si l'Amérique continue à produire de tels hommes semblables à celui-ci, elle deviendra assurément une puissance dans le monde. Quant à Van Helsing, il se repose avant d'entreprendre son voyage de retour. Il doit rentrer à Amsterdam, où il veut s'occuper personnellement de certaines choses. Il compte pourtant revenir demain soir, et restera ici s'il le peut, car il a précisément affaire à Londres un travail qui peut lui prendre un certain temps. Je crains, je l'avoue, que l'épreuve à laquelle il vient d'être soumis n'ait affaibli sa résistance pour tant de faire. Pendant les funérailles, je remarquai qu'il s'imposait une contrainte peu ordinaire. Quand tout fut fini, nous nous retrouvâmes à côté d'Arthur, qui parlait avec émotion du sang qu'il avait donné pour Lucie. Je vis Van Helsing pâlir et rougir tour à tour. Arthur disait que, depuis lors, il avait le sentiment d'avoir été réellement marié à Lucie, qu'elle était sa femme devant Dieu. Bien entendu, aucun de nous ne fit allusion aux autres transfusions de sang, et jamais nous n'en dirons mot. Arthur et Kinsey s'en allèrent ensemble à la gare. Van Helsing et moi revînmes ici. À peine étions-nous montés en voiture que le professeur fut pris d'une crise de nerfs. Par après, il l'a fortement nié, me disant que c'était tout simplement son sens de l'humour qui se manifestait de la sorte en ces pénibles, en ces terribles circonstances. Il commença par rire, rire aux larmes, si bien que je dus baisser les stores de la voiture afin que personne ne le vît dans cet état. Puis il pleura, réellement. Puis se remit à rire, enfin, rit et pleura tout ensemble, comme une femme. Et comme l'on agit envers une femme, je voulus lui faire entendre raison, lui parler avec quelque sévérité, en vain. Dans une situation semblable, les femmes ont des réactions différentes de celles des hommes. Quand enfin son visage reprit son expression, grave et sérieuse, je lui demandais ce qui chez lui avait pu provoquer une telle gaieté en un tel moment. Sa réponse, tout à la fois logique et
Sibylline lui ressemblait bien. « Ah, John, mon ami, vous ne comprenez pas. Ne pensez pas que je ne suis pas triste parce que je ris. Je pleurais alors même que j'étouffais à force de rire. Mais n'allez pas croire non plus que j'éprouve seulement de la tristesse quand je pleure. N'oubliez jamais que le rire qui frappe à notre porte et qui demande « puis-je entrer ?» n'est pas le rire véritable. Non, c'est un roi et il vient chez vous quand ça lui plaît et comme ça lui plaît. Il n'en demande pas la permission, à personne. Son seul, son bon plaisir importe. Tenez, par exemple, je me suis tourmentée jour et nuit à propos de cette douce jeune fille. Bien que vieux et fatiguée, j'ai donné mon sang pour essayer de la sauver. J'ai donné mon temps, ma science, mon sommeil. J'ai abandonné mes autres malades pour me consacrer entièrement à elle. Et pourtant, pour un peu, j'aurais éclaté de rire sur sa tombe et je ris encore quand le bruit de la première pelletée de terre que le fossoyeur a jetée sur sa tombe retentit dans mon cœur, au point que le sang me vient aux joues. Ce n'est pas tout. Mon cœur saigne quand je pense à ce pauvre garçon, à ce cher garçon. Mon fils aurait exactement son âge, si j'avais eu le bonheur de le garder, et par les yeux, par les cheveux, il se ressemble. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas, pourquoi je l'aime tant? Et malgré cela, quand il nous parle de certains de ses sentiments qui font vibrer mon cœur d'époux et font naître dans mon cœur paternel une attirance que je n'ai jamais éprouvée pour aucun de mes élèves, non, pas même pour vous, mon cher John, car tout ce que nous avons déjà fait et vécu en commun nous a mis sur un pied d'égalité, plutôt que dans une relation de père à fils, malgré cela même, et même alors, Sa Majesté le Rire vient à moi et me crie à l'oreille « Me voilà, me voilà !» si bien qu'un afflux de sang me met aux joues une rougeur de soleil. Oh, mon ami John, quel étrange monde que le nôtre! Un monde bien triste, plein de soucis, de misère, de malheur. Et pourtant, quand arrive le rire, tout se met à danser sur l'air qui plaît à Sa Majesté de jouer. Les cœurs qui saignent, les ossements dans les cimetières, et les larmes qui brûlent les joues, et tout cela danse ensemble au son de la musique qu'il aimait, de sa bouche où le moindre sourire ne se dessine jamais. Croyez en moi, mon ami, nous devons lui en savoir gré, car nous, les hommes et les femmes, on pourrait nous comparer à des cordes que l'on tire d'un côté et de l'autre, mais alors que viennent les larmes, et semblables à l'effet de la pluie sur les cordes, elles nous raidissent peut-être jusqu'à ce que la tension devienne vraiment insoutenable, et alors nous cassons. À ce moment, le rire arrive comme un rayon de soleil, et il détend la corde. Ainsi, nous parvenons à poursuivre notre travail, quel qu'il soit. Je ne voulus pas le blesser en lui avouant que je ne saisissais pas très bien son idée. Toutefois, comme malgré son explication, je ne comprenais pas encore la cause de son rire, je lui dis franchement. « Oh, fit-il, voilà justement l'ironie la plus lugubre. Cette charmante jeune fille, étendue parmi les fleurs et paraissant aussi belle que la vie elle-même, au point que l'un après l'autre, nous nous sommes demandé si elle était réellement morte, elle repose maintenant dans son tombeau de marbre, dans ce cimetière à l'écart, où reposent aussi tant des siens, et sa mère qui l'aimait tendrement, qu'elle aimait tendrement. Et ce glas qui sonnait, oh, si lentement, si tristement. » Et tous ces prêtres, avec leurs vêtements blancs qui ressemblaient à des anges et qui feignaient de lire dans leurs livres alors que leurs yeux à aucun instant ne suivaient le texte. Et nous tous, la tête courbée. Et tout cela pourquoi? Elle est morte, n'est-ce pas? Mais professeur, fis-je, je ne vois pas bien ce qu'il y a là-dedans de risible. Vos explications sont pour moi tout ce qu'il y a de plus embarrassante. Et même si le service funèbre avait quelque chose de comique, est-ce que le pauvre Arthur, souffrant comme il souffre, justement... N'a-t-il pas dit que le sang qu'il avait donné à Lucie avait fait d'elle sa femme? Si, et cette idée visiblement le réconfortait. Très vrai, mais ici, mon ami, surgit une petite difficulté, car s'il en était ainsi, si à cause de la transfusion de sang, il avait l'impression que Lucie était réellement devenue sa femme, n'en irait-il pas de même pour nous? Oh oh, Lucie, la charmante Lucie, aurait donc eu plusieurs maris, et moi, moi qui ai perdu ma pauvre femme, laquelle est pourtant vivante, selon l'Église, moi, époux fidèle à cette femme qui n'est plus sur terre, je serais bigame! Encore une fois, je ne vois point qu'il y ait là de sujet de plaisanterie, déclarai-je. Et au vrai, ces remarques ne me plaisaient guère. Posant la main sur mon bras, il reprit. « Mon ami John, pardonnez-moi si je vous fais de la peine. Je n'ai pas fait part de mes sentiments aux autres, cela aurait pu les blesser. Mais à vous, mon vieil ami, je me confie sans crainte. Si vous aviez pu voir ce qui se passait au fond de mon cœur au moment où je désirais rire, au moment où le rire est arrivé, et si vous pouviez voir ce qui s'y passe maintenant, encore que Sa Majesté le Rire a enlevé sa couronne et plié bagage, car il s'en va très loin de moi, pour très très longtemps. Alors peut-être de nous tous, ce serait moi que vous plaindriez le plus. Pourquoi ? Demandai-je, fort ému à présent par le ton sur lequel il avait prononcé ses dernières paroles. Parce que je sais. Maintenant, nous sommes tous séparés et la solitude va être notre lot à chacun. La solitude qui planera sur nos toits. Lucie repose donc dans le tombeau de sa famille, un tombeau seigneurial, au milieu de ce cimetière où les bruits de Londres n'arrivent pas, où l'air est pur, où le soleil se lève sur Hampstead Hill et où poussent les fleurs sauvages, de sorte que je peux terminer ce journal et Dieu seul sait si j'en commencerai jamais un autre.
Si je le fais, ou si même je reprends celui-ci, en tout cas, ce sera pour parler d'autres personnes et m'occuper de sujets différents. Maintenant qu'est racontée l'histoire de ma vie amoureuse, et avant que je n'en retourne à ma vie de travail, je prononce tristement, sans être animée d'aucun espoir, le mot « fin ». Et vous vous doutez bien que le livre n'est pas fini, mais la suite sera pour demain. Quel suspense! N'est-ce pas?